votre attention, tout le monde! C'est important! Prête? C'est parti! Oh non! Bon, qui a fait ça? Vous êtes dans de beaux draps. Qu'est-ce que c'est? C'est pas bon! Vous êtes sérieux? C'est vraiment en train de se passer? Il fait quoi maintenant? Il n'y a pas d'échappatoire! Ça commence maintenant! On doit sortir d'ici! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! C'est tellement difficile! Je sais! Donne-moi une seconde! Je vais utiliser mon téléphone! Hein? Où il est? Il a disparu! Je vais prendre mon téléphone! Je ne l'ai pas! Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez ceci? Pas de triche en classe! Comment il l'a fait? Quelqu'un m'appelle! Allô? Oui? Non, c'est pas vrai! Je suis en route! Je dois y aller! Pas de bêtises! C'est notre chance! Attrape les téléphones! Il m'a tellement manqué! Attends, il y a un problème! Quelque chose ne va pas! Oh, allez! C'est tellement injuste! Et maintenant? Attends! Le professeur a laissé son téléphone! J'ai une idée! Laisse-moi voir ça! Ouais! C'est de la pâte à modeler! C'est parfait! J'aurai besoin de mon maquillage! Ça ne me déçoit jamais! Qu'est-ce que tu fais? Je recherche des empreintes! Je vais ajouter de la poudre au téléphone! Ensuite, je vais y poser du scotch! Je vais relever l'empreinte digitale! Maintenant, je vais la mettre sur la pâte à modeler! Je vais appuyer doucement! Ça devrait faire l'affaire! Ensuite, j'aurai besoin de latex liquide! Je vais l'appliquer sur la pâte à modeler. Ensuite, j'attends que ça prenne. 1, 2, 3, go! Ça devrait aller! Je peux enlever le latex maintenant. Je ne veux pas le déchirer. Ta-da! On a l'empreinte du prof. Regarde ça! Ça a marché! On y est! Waouh! Essaye mon téléphone! Et voilà! Tu es un génie du mal! On doit faire vite! Maintenant, on a les réponses. On va avoir la meilleure note. N'arrête pas d'écrire, Mike! Je fais aussi vite que possible! Allez! Je n'aurais jamais trouvé celle-ci! C'est tout! Attends, les téléphones! Remets-les en place! Il faut que je sois parfait! Maintenant, reste calme! Désolée pour ça! Oh, c'est fini! On a terminé! Laissez-moi voir! Je suis sûre que je serai déçue! Je n'en reviens pas. Alors, on a réussi? Vous avez tous les deux eu la meilleure note. Wouh! Top là! Ce livre est génial. Miles, regarde! Rappelez-vous, je vous surveille. Toujours. Je sais quoi faire. On va sortir d'ici en catimini. Bonne chance. Oh, ça ne s'est pas passé comme prévu. Regarde la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Oula, c'est extrême! On est coincé ici! C'est un problème! Annie, là-bas! C'est la clé! Liberté, nous voilà! Hein? C'est différent! La clé est cassée! Oh, classique! Regarde ça! On ne va nulle part! On restera ici pour toujours! Oh, ça ne peut pas être pire! Eh bien, j'ai faim! Attends, j'ai quelque chose! J'ai toujours des collations! Voilà. Attends une seconde. Qu'avons-nous là? Miles, regarde ça. Un plan se forme. Du chewing-gum? Je vais prendre ça. C'est notre issue. Au travail. Je vais ouvrir le chewing-gum. Je vais me débarrasser de l'emballage. Je vais placer la clé sur le chewing-gum. Je vais appuyer dessus. J'ai besoin de faire une empreinte. Ensuite, je vais le recouvrir de peinture. Doucement. C'est exactement ce que je cherche. Maintenant, je vais le transférer sur du papier. Je vais le découper. On a la forme de la clé. Maintenant, j'ai besoin de la boîte de conserve. Je vais enlever le couvercle. Ensuite, je vais mettre la clé en papier de vie. Je vais devoir découper ça. Je dois être précis. Waouh! On a une clé! Je pense que ça va marcher. Essayons! Attends, faut pas oublier les sandwichs. Allons-y! Je suis tellement nerveux. Souhaite-moi bonne chance. Le moment de vérité
Ça tourne. Elle a ouvert la serrure. Bien essayé, professeur. Allez, allez, allez. Partons d'ici. Je suis tellement heureux. Rien ne peut nous arrêter. On forme une excellente équipe. Est-ce que c'est la salle de classe? Comment c'est possible? On a tourné en rond? La prochaine fois, apporte une carte. Je suis tellement confuse. Bonjour. Maintenant, on va avoir des ennuis. Vous pensiez vraiment pouvoir sortir d'ici? Je vais distribuer les notes. Tout le monde aura la pire des notes. Je m'ennuie tellement. Taisez-vous tout le monde. Ici le prof, un code rouge. Ça a l'air sérieux. Je dois y aller. Prenez votre temps. Je vous surveille. Et il est parti. Je vais aller chercher les copies d'examen. Quelle note j'ai eue? Attends, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le croire. Miles, tu dois voir ça. Regarde, c'est un plan d'évasion. Mais je ne le comprends pas. Je pense que c'est un code. Peut-être qu'on peut utiliser ça. Ça vaut le coup d'essayer. Ça ne marche pas. Laisse-moi essayer. Je vais utiliser la torche de mon téléphone. Là, il faut comprendre. C'était une perte de temps. Ah ah! Je sais. On doit examiner de plus près. Ça ressemble juste à des gribouillis. Ce n'est pas plus clair. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai compris. Laisse-moi faire. Je vais commencer par une feuille de papier, je vais y dessiner un cercle. Ensuite, je vais ajouter un plus petit cercle, comme ça. Je vais mettre un bâtonnet de glace au milieu, ensuite je vais dessiner autour. Il nous en faut un autre. Maintenant, je vais les découper. Je vais ajouter un morceau de plastique rouge. Ensuite, je vais coller le tout ensemble. Ça devrait faire l'affaire, c'est exactement ce qu'il nous faut. Fais-moi confiance. Bon, essayons encore une fois. Waouh, ça marche! Ça filtre le stylo rouge. C'est une carte. Pas possible. Ça montre la sortie. C'est ça, Mike. Bien joué, Annie. Je prends ça. Oh non, le professeur. Vous avez eu ça où? Ça va à la poubelle. Il est tellement méchant. J'ai une surprise pour vous. Vous êtes en retenue. Non, ce n'est pas juste. C'est de votre faute. Hey Miles, écoute. Pas de discussion. Waouh, il est en colère. Chut, silence. Annie, j'ai une idée. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est inutile. Je vais écrire une note. J'aurais dû y penser plus tôt. Je dois faire vite. Psst, regarde. Waouh, tu veux dire... Quoi? Il a la note! Oh non! Attrapé! Fini de jouer! Chut! Au travail! C'est le pire! Hé, regarde ça! Ne fais pas de bruit! Ne fais pas ça, Annie! Je l'ai! Regarde ça! Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste besoin du tube! Ça résoudra tout! Il me faudra une chose de plus. Je vais couvrir le tube avec du film plastique. Je vais le serrer fort et utiliser un élastique pour le maintenir en place. Je vais tordre l'élastique. Il doit être serré. Il a l'air bien. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que c'est? J'en ai un pour toi. Oh, merci. Et maintenant? Tu dois vraiment tout faire ou quoi? Je vais écrire sur le film plastique. Ça ira. Maintenant, je vais éclairer avec une lampe torche. Regarde ce mur. Allez. Hein? D'accord. Waouh! Un message secret. Attends. C'est une excellente idée. J'aurai besoin de ma lampe torche. Maintenant, je peux répondre à Annie. Ça semble être un bon plan. On doit rester discret. Que dégoûtant. J'ai besoin d'un mouchoir. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils étaient juste ici. Je reviens tout de suite. Attends, il est parti? Oh, ouais! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos!
Je suis prête pour le cours. Bon, faites bien attention. Celui-ci est difficile. Il est sérieux? Je ne suis pas si intelligente. Attendez, qu'est-ce que tu fais? Oh, majordome! Vous avez crié, mademoiselle. Permettez-moi. J'espère que ça va marcher. Je n'y arrive pas, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis tellement intelligente maintenant. Jetez un œil à ça, c'est tellement facile. Vous pouvez applaudir maintenant. Elle est idiote. Je connais la réponse, hein? C'est incorrect? Tu sais quoi? Bien joué. Oh, merci. C'est pour moi. C'est très gentil. Vous plaisantez? J'abandonne. C'est mon crayon porte-bonheur. Ah, quel dommage. Majordome, viens ici. Vos crayons, madame. Les meilleurs sur le marché. Sans oublier vos cahiers. Je pense que c'est tout. Tu as fait du bon travail. Tu auras peut-être une augmentation. Allez, du balai maintenant. Je ferais mieux de prendre mon cahier. Et je le garde ici. Hein? C'est quoi ça? Un citron juteux. Je le garde pour plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est là que tu ranges tes cahiers? Salut tout le monde! J'espère que je ne suis pas en retard. Je ferais mieux de prendre mes livres. Ces toilettes sont si pratiques. Il y a tellement d'espace. J'adore. Je préfère mon mannequin. Tu n'étais pas au courant? C'est le jour sans cartable. Oh, on rit moins maintenant, hein? Je n'arrive pas à y croire. On ne m'a rien dit. C'est tellement embarrassant. C'est le jour de l'examen. J'espère que vous avez étudié. C'est difficile. Ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Je vais échouer. J'ai besoin d'aide. Majordome, viens ici. Regardez ce que j'ai là. Une livraison spéciale. Une pizza? Ce n'est pas une pizza ordinaire. Je l'ai cuite moi-même. Waouh, c'est génial. Je pensais que ça vous plairait. Qu'est-ce que vous faites? Sortez d'ici. Il faut que j'y aille. Oh, attends, reviens. Je ne vais nulle part. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Ce sera amusant. Vroom, vroom. Sa peinture est personnalisée. Si seulement j'avais un permis de conduire. Joli stationnement. C'est parfait. Bon travail. Avec plaisir. Peut-être que je vais passer cet examen finalement. Je suis tellement sournoise. Hein? C'est quoi ça? Tu triches? Je veux voir. Et arrête ça. C'est mon travail. Oh, tu es méchante. Attendez une seconde. Je ne peux pas perdre les réponses. J'ai besoin de ce livre. Mais comment? Ah ah! Ça devrait le faire. Allons-y. Paf! En plein dans le mille. C'était plus facile que je ne le pensais. Nana! Hein? Attends! Hé! Hey, ne t'approche pas! C'est à moi! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Oh, regardez! Je veux que vous preniez des notes. Ça ne devrait pas être compliqué. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne m'attendais pas à ça. Je ferais mieux de commencer. Qu'est-ce qu'il me faut? Un stylo? Non, ça n'ira pas. Ah! Je sais! C'est juste ce qu'il faut. Ça résoudra tout. Je vais le passer sur le livre. Il met en évidence les mots. C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est tellement facile. J'ai tout fini! Je suis tellement contente de l'avoir. Oh, oh là là, c'est vraiment tragique. Le ruban adhésif, c'est tellement démodé. C'est ça qu'il te faut. J'ai toutes les couleurs que je veux. Waouh, c'est magnifique! Lequel devrais-je utiliser? Regardez ces stylos! Je vais choisir le rose. Non, elle ne ferait pas ça. Mélangeons un peu les choses. Je choisirai le jaune ensuite. Waouh, regardez ce mouvement! C'est si joli! Merci pour ça. C'est comme un arc-en-ciel. Mon livre est tellement ennuyeux. Peu importe, je l'aime quand même. Qu'as-tu fait? Tu as détruit le livre! De quoi est-ce que vous parlez? Regarde le panneau! Tu connais les règles. Je suis sûre qu'on peut parvenir à un accord. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi? Hors de question! Mais c'est de l'argent! Je vais le dire à papa. En retenue, quant à toi, hein? Hein? Je n'ai rien fait de mal. C'est un surligneur?
Non, calmez-vous. Regardez ça. C'est du ruban adhésif, regardez. Je peux l'enlever. Il est comme neuf. Oh, c'est bon. Je savais que ça vous plairait. C'est tellement injuste. Il n'y a qu'une seule solution. Donne-moi le ruban. Le voilà. Oh, merci. C'est plutôt bien, en fait. Ça veut dire qu'on est besties. Je m'ennuie tellement. Oh, voilà la prof. Bonjour tout le monde. Voici la leçon d'aujourd'hui. Je ferais mieux de prendre mon cahier. Ah, le voilà. Maintenant, je peux commencer. Oh, donnez-moi un instant. Je l'ai. Je suis prête. Heureusement que je suis venue préparer. Qu'est-ce que... Je n'ai qu'une seule feuille de papier. Je ferai avec. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est? Oh non, tu ne le feras pas. J'en ai besoin. Où est ton cahier? Je n'en ai pas. C'est une honte. Je vais te montrer. C'est vraiment arrivé. Oh, je veux ma maman. Oula, je ne m'y attendais pas. Oh non, c'est pas bon. Je n'ai plus de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, hey, Meg! Quoi? Ah oui, attends là. Je vais arracher une feuille. Ça ne prendra pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. Tu vas adorer. Je vais plier la page. Je ferai de même en bas. C'est comme un origami. Je dois tout plier. Ensuite, je peux y glisser la feuille. Comme ça. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que t'en dis? Plutôt bien, non? Waouh, c'est incroyable! T'es la meilleure! Je vais la déplier. Waouh, une page blanche! Maintenant, je peux terminer le travail. La prof ne le saura jamais. Merci pour ça. Le temps est presque écoulé. Phew, je suis fatiguée. Attends, réessaye encore une fois. Oublie ça. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Quoi? Pas possible, c'est fou. Oula! Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, besoin d'aide? Ça va aller. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Je me demande ce que c'est. On va le découvrir. Vas-y, gratte. Hé, regarde! Je crois que j'ai gagné quelque chose! Moi aussi, mais il y a de quoi être déçue. C'est l'heure du contrôle! Oh, oh non, pas ça! Je n'ai pas le temps pour ce truc! Où est la réponse au numéro 5? Ah, la voilà! J'arrive à peine à lire ce qu'il y a dessus. Hein? Ah, je le jure, je ne triche pas! Tu me crois complètement idiote ou quoi? Allez, donne ça tout de suite! Très bien, mais tu en as oublié un! Oh, c'est horrible! Je ne suis pas prête d'oublier ça! Qu'est-ce que tu caches dans ta manche? C'est ce que je pensais! Tu n'apprendras donc jamais! Elle hurle encore! Passe là-bas. Tu passes à la banque après les cours. Ou peut-être que c'est un cadeau pour moi. Personne ne regarde. Tiens, prends tout. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Voilà comment on s'éduque dans la vie. Quelle fille intelligente. Oh, les gens riches s'en sortent toujours. Je déteste la pluie. Et en plus, mon parapluie est tout troué. Oh! Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris une douche tout habillée? Il faut vraiment que j'achète de nouvelles bottes. Celles-ci sont complètement fichues. Quelle journée de malheur! Je ressemble à un rat mouillé. Je me demande si elle a faim. Elle a besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui. Pour moi? Merci! J'en ai encore une vingtaine de toute façon. Hein? Pas grave. Du plastique? C'est quoi ce tas-là par terre? J'ai une idée! Et ça va être complètement imperméable.
pourquoi dépenser une fortune dans un nouveau parapluie. Vous direz qu'il va bientôt pleuvoir. Bien au sec, exactement ce qu'il me fallait. C'est la bonne note? Je sais pas où mettre les doigts. Jouer m'a donné super faim. Ce poulet a un goût de carton. Je vais manger ça. Voyons. C'est mieux. Il me reste quelque chose dans les poches. Je me demande si j'ai encore une petite pièce. Oh, je croyais que c'était un billet. Quelle poisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche? Mais c'est inacceptable! Mademoiselle, on n'est pas dans une ferme. Je ne mange pas de bestioles. Oh là là, désolée. Regardez. Un petit coup et ça disparaît. J'ai quoi dans la bouche? Un peu épicé. Mes prières ont été entendues. Me voilà revigorée. Et je lui ai dit, papa, achète donc le yacht. Oh, super chaussure à 14 heures. Lise un peu cette couleur. Regarde. Elles sont vraiment jolies. Elles sont fantastiques. Il me les faut absolument. Mademoiselle, vous en avez mis du temps. Waouh, elles sont vraiment superbes. Et elles font vraiment super classe. Ouais, moi aussi je voudrais avoir de belles chaussures. Ça fait 2 ans que je les porte. Mais j'ai pas les moyens d'en acheter de nouvelles. Oh, lise un peu cette coque de téléphone. Il y a plein de petits cristaux dessus. Il m'en faut une. Et voilà. C'est pas croyable. Oh, t'as déjà vu quelque chose de plus beau? Et c'est ma couleur préférée. Ouais, ça fait rêver. Rêver, c'est juste ma réalité. Et hop là! Comme c'est doux! Je suis épuisée. Ah, wow! À plus! Oh, comme ce cartable est sympa! Super mignon! Et le mien ne ressemble plus à grand-chose. Est-ce que j'ai un peu d'argent? Y a quelqu'un? C'est à pleurer. Je suis fauchée! Bip bip, je passe. J'aime voyager avec style. C'est la seule façon de le faire. Youpi, c'est l'heure du cours. Je ferais mieux de verrouiller ma trottinette. On ne peut jamais être trop prudent. Une minute, qu'est-ce que c'est? They see me rolling. This is my ride. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde ça. Donne-moi juste un moment. C'est ça. Arrête, arrête. C'est hors de contrôle. Donc c'est comme ça que ça se termine. Ah! Ça va être serré. C'est fini. T'es folle. T'aurais pu me blesser. T'es si énervante. Oups, mon volant. Je vais le prendre avec moi. Chalalalala, j'adore cette chanson. Mais la classe est sur le point de commencer. Y a quelque chose qui va pas? Salut voisine, comment ça va? Bien, pourquoi elle me parle? J'ai des écouteurs. Plutôt sympa, non? Fais comme si t'avais rien vu. Avec des fils? Waouh! Tant pis, ils fonctionnent quand même. Peu importe, regardez ça. C'est le dernier modèle. Jalouse? Non, pas vraiment. Eh bien, peut-être un peu. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? C'est un morceau de carton? Ça me donne une idée. Je dois juste faire quelques ajustements. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pas possible! Le clavier est prêt! Maintenant, j'ai besoin d'un écran. Cette impression fera l'affaire. Maintenant, j'ai un ordinateur portable. Qui est jalouse maintenant? T'es tellement tragique! Il te manque quelque chose! C'est ce qui fait la différence! Ah, je vais régler ça. Moi aussi, j'ai une pomme. Je vais la placer sur le carton et la coller à sa place. Je ne veux pas qu'elle tombe. Ça devrait aller. Tu veux voir? T'as vraiment fait ça? C'est hilarant! Peu importe, je suis satisfaite du résultat. C'est l'essentiel. Oh, je suis épuisée.
Je dois me rafraîchir. Majordome? Votre ventilateur doré, madame. Permettez-moi. Une brise fraîche juste pour vous. Ah, c'est bon. Waouh, c'est ce dont j'ai besoin. Je peux utiliser ce carton. Ah, beaucoup mieux. Tu le fais manuellement? Je ne me salis jamais les mains. C'est ça, alors? Je vais te montrer. T'as raison, ça fait du bien. Est-ce que tu viens de voler ma brise fraîche? Ce ventilateur est à moi. Ah, j'adore ça. Oh, ne fais pas ça, je le veux. Arrête de faire ça. Pointe-le dans cette direction. Jamais. Comment ça va, la classe? Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. Arrêtez. Elle a commencé. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je peux pas regarder. Est-ce que c'est sûr? Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois vous montrer quelque chose. Regardez ça. Je vais poser ma combinaison sur le ventilateur. Prenez une jambe chacune. Je suis si confuse. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Patientez. Je vais allumer le ventilateur. Regardez-le partir. Wow, c'est incroyable! C'est génial! Oh, finissons-en avec ça. J'ai prévu une virée shopping. J'ai besoin d'un encas rapide. Ce brownie fera l'affaire. Regardez-moi cette douceur chocolatée. Mmm, délicieux! J'avais besoin de ça. Et je peux utiliser ce papier pour la classe. D'accord. Je ferais mieux de prendre un crayon. Attends un peu. Je peux pas utiliser ça. Regarde-le! Il est minuscule! C'est ridicule! Qu'est-ce que je vais faire? C'est ton crayon? C'est embarrassant! J'ai fait personnaliser ces crayons à Paris! Waouh, je peux en avoir un? Tu veux un de mes crayons? Absolument pas! Oh, t'es tellement méchante! C'est la vie! J'en ai fini avec ça! Attends! Ça me donne une idée! Je vais prendre ça! J'aime cette boisson gazeuse. Il reste peut-être quelque chose. C'est quoi ce bruit? Oh, maintenant j'ai tout vu. Il est temps de se mettre au travail. Je pose la paille sur la table. Je place un crayon à une extrémité et l'autre crayon à cette extrémité. C'est la taille parfaite. Maintenant j'ai un nouveau crayon. Essayons-le. Il fonctionne. Est-ce que t'es sérieuse? On ne me verra jamais avec ça. Quel crayon je devrais utiliser? Celui-là. C'est le jour du test et c'est une zone sans téléphone. Arrête! Ne fais pas un pas de plus. Tu ferais mieux de ne pas avoir de téléphone. Attendez, donc c'est sérieux? Je reviens tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était bizarre. Je peux pas la laisser prendre mon téléphone. Et qu'est-ce que je vais faire? Allez, réfléchis. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de crayons. Je sais quoi faire. Je suis un génie. Je vais enlever les crayons. Je veux faire de la place pour le téléphone. Je vais retirer les crayons du milieu. Ça devrait aller. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. Je vais faire une coupure dans la boîte. Elle doit être de la même taille que le téléphone. Je veux faire un rabat. Comme ça. Je mets mon téléphone à l'intérieur. Puis, je referme le rabat. Personne ne le saura jamais. D'accord, allons-y. Je suis de retour. Est-ce que je peux entrer dans la classe? Nous verrons bien. Je dois te scanner. C'est vraiment nécessaire? J'ai rien avec moi, vraiment. Rien? T'es pas en train d'être sournoise, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Vous êtes plutôt intense. D'accord, tu peux passer. Oh, je savais que ça marcherait. Qui est le suivant? J'ai réussi. Je pense que la voie est libre. Je peux sortir mon téléphone. J'ai toutes les réponses dessus. Je vais certainement avoir un A. Je ferais mieux d'agir naturellement. Qu'est-ce que c'est? Vous vous moquez de moi? Je peux entrer? Aucun téléphone n'est autorisé. Ok. Oh, prenez-le, je suis trop occupée pour ça. Oh, c'était facile. J'arrive pas à croire à cette règle. Heureusement, j'ai un nouveau téléphone. L'autre était vieux de 3 mois. Il était de toute façon temps de le remplacer. Celui-ci est bien meilleur. La prof m'a rendu un service. Il est temps de faire des achats en ligne. Étire-toi! Sans tes muscles travailler. Oh, on est obligé de faire ça. Stop, transpirons un peu. Je déteste ça. Il faut souffrir pour être belle. Je veux pas être belle. J'ai une idée. Peut-être que ça va te motiver. Du chocolat? Marché conclu.
Ne t'arrête pas. Lâche prise. Attends. Délicieux. Désolée pour ça. J'en ai assez. Il nous faut une approche différente. Ça pourrait marcher. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu en penses? Regarde ce sable doré. Wow, je vais aller là-bas. Allons-y. Je dois être prête pour la plage. Ouf, ça marche. Je reviendrai plus tard. Il faut que je continue. C'est tellement drôle. Prête à commencer? Ce sera amusant. Je ne pense pas, non. J'ai des choses plus importantes à faire. Selfie! Allez, tu vas aimer. Vous n'allez pas me laisser tranquille, hein? Donnez-moi simplement les poids. Burk, dégoûtant! Vous voulez que j'utilise ça? Regardez-les! Ils sont dégoûtants! Je vais pas toucher à ça. Allô, j'ai besoin de votre aide. Maintenant, j'attends. Laissez-moi les voir. Okay. C'est beaucoup mieux. Je dois avoir l'air bien lorsque je m'entraîne. Ouais, c'est ça. Je suis mignonne. Non, mais vraiment? Hé, arrête ça. Ne me force pas à utiliser le sifflet. Ah, ne faites pas ça. D'accord, faisons du surplace. Continue. Non, je ne cours pas. Oh. Ah, je sais. Regarde ce que j'ai. Mets ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi juste une seconde. Et voilà. Oh, ça change tout. Regarde ce sable doré. Je savais que ça te plairait. Mon travail ici est terminé. Wouhou! Rien ne peut m'arrêter. Attends, non! Aïe! Qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était pas une bonne idée. Je vais partir maintenant. Un autre jour, un autre dollar. Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui en classe. Ne bougez pas. Vous savez qui je suis, non? Attendez que papa l'apprenne. Il ne sera pas content. D'accord. Thank you. Ah, ce n'est que de la petite monnaie. Je vais juste la laisser là. Ah, les enfants de riches. Cette agente de sécurité est effrayante. Elle me rend si nerveuse. Ok, c'est parti. Je suis capable de m'en sortir. Il faut juste agir de manière naturelle. Ne bougez plus. Est-ce que cette chose est sûre? Je savais que c'est ce qui allait arriver. Non, vous ne pouvez pas entrer. Sortez d'ici, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchante, hein? Qu'est-ce que... Oh! Aïe, ça fait vraiment mal! Sur quoi j'ai atterri? Hein? Ce sont des diamants? Waouh! Ce sont des diamants! Vous avez remarqué quelque chose de différent chez moi? Peut-être un peu de brillance? Alors je peux entrer maintenant? Je laisse le scanner décider. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Hein? Il dit riche? Je ne comprends pas. Mais le scanner ne ment pas, alors vous pouvez y aller. Vraiment? Je veux dire, évidemment. Je ferai mieux de me préparer pour le cours. J'ai besoin de mes livres. Je me demande ce que nous allons apprendre aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Je suis content d'être à l'heure. Le jet a dû s'arrêter pour faire le plein. Est-ce qu'on peut en finir avec ça? J'ai des réservations pour le dîner. Waouh, quel beau cahier! Je sais, il est assez spécial. Mais attends de voir celui-là. Non, c'est pas possible! Jette un coup d'œil à mon téléphone. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je veux le toucher. Oh non, tu ne feras pas ça. Plutôt cool, hein? Je me sens d'humeur cupcake. Je vais l'ajouter sur mon cahier. Il a l'air incroyable. C'est normal d'être jalouse. Mon cahier est si ennuyeux. J'ai jamais pu avoir de belles choses. Oh, la vie est tellement injuste. Attendez une seconde. Je sais ce que je dois faire. Je commence par découper ces images. Ça me donne faim. Ok, c'est la dernière. Mais il y a encore du travail à faire. Je savais que j'aurais dû suivre la recette. Je me rapproche. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste besoin de trouver la bonne chose. Ah ah! C'est ce que je cherche. Non, pas le croissant. J'ai besoin de ce papier sulfurisé. Je dois rester calme et agir doucement. Je ne peux pas le laisser me voir. C'est le crime parfait. Un peu plus loin. J'ai découpé le papier sulfurisé en carré. Maintenant, je place les dessins dessus. Ensuite, je les recouvre de rubans adhésifs. Je veux que la surface soit lisse. Je ne veux pas avoir de plis. Maintenant, je vais les découper. Je vais prendre mon temps. Je dois suivre les grandes lignes externes. Ça a l'air bien.
Je peux maintenant décoller le papier sulfurisé et coller le dessin sur mon cahier. C'est beau! Je ferai de même avec le reste. Waouh! Mon cahier est déjà bien plus beau. Il ne faut pas oublier la pizza. Hé, Alex, jette un coup d'œil à ça. Quoi? Les couleurs, les images! C'est génial, j'adore! J'espérais que tu dises ça. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Bonjour, je vais prendre un bol de ça. Ah. J'ai été à l'école de cuisine pour ça. Je sais même pas ce que c'est. Je l'appelle de la verdure. Voilà. C'est un peu gluant. Oh, attends. Prenez votre temps. Dégage de ma louche. À quoi sert le bol? C'est bon. Bon appétit. Regarde ça. De la nourriture gratuite. Il n'est pas question que je mange ça. Je vais commander. Ça a l'air bon. Les grumeaux lui donnent une saveur supplémentaire. Miam, j'ai hâte de goûter. C'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce qu'elle peut manger ça? Majordome? Ah, là, ça va mieux. Merci, majordome. Je préfère les choses les plus raffinées de la vie. Et il n'y a rien de mieux que des sushis frais. Ça a l'air délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Attendez, quel est ce bourdonnement? C'est une mouche! Et c'est sur mes sushis! Qu'est-ce que je dois faire? Mon plat est fichu! Je vais vomir! C'est pas grave, c'est qu'une mouche! Hé, hey Alex, je peux avoir ça? Je t'en prie! J'espère que tu te sentiras mieux! Va-t'en, la mouche! Des sushis, c'est si bon! J'arrive pas à croire qu'il m'oblige à m'asseoir par terre. C'est tellement difficile de faire mon travail. Hein? Il pleut de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils m'ont donné un diamant, un seul, tu te rends compte? Le cours est sur le point de commencer. Oh, juste attends. Oh, je dois y aller. On en reparlera plus tard. Et où vas-tu? Attends ici. C'est quoi le problème? Laisse-moi te regarder. J'ai pas le temps pour ça. C'est ce que je pensais. Tu ne portes pas de chemise. On verra bien. Hey! Papa, envoie l'hélicoptère maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le ravissement. Il faut se sauver. Oh, une livraison spéciale juste pour moi. Merci les gars. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mettons ça. Ça devrait suffire. Je vais le mettre sous le pull. Il faut être beau. Je le suis toujours. On y va. Maintenant, je peux aller en classe? Attends. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu remplis les conditions requises. Désolée pour la gêne occasionnée. Ah, merci. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux peut-être cacher mon t-shirt? Arrête-toi là. J'ai besoin de voir ta tenue. Cesse de bouger. J'aime bien ce jeu. Arrête! Ça suffit! Tada! Belle tentative! Mais je veux juste aller en classe! Attendez, j'ai une idée! Je coupe une longueur de papier comme celle-là. Ensuite, je l'enroule autour de mon cou. Elle fera un joli col. Essayons! Waouh! Je suis impressionnée! C'est un très beau col! Tu peux entrer! Merci! Regarde ça, Alex! Plutôt élégant, hein? Je préfère la soie italienne au papier. Mais j'établis mes propres règles. Je ne porte pas de col. Ce truc doit être jeté à la poubelle. Sérieusement? Je ferais mieux d'aller chercher du papier pour le cours. Oh, j'avais oublié. Je suppose que je vais devoir utiliser ça. À la mode et pratique. Je parie que ta chemise ne peut pas faire ça. Oh, c'est dur! Il y a tant à apprendre! Tu parles! Je comprends rien à tout ça! Rien ne fait sens! J'ai des notes partout! Je dois mieux organiser ça! Je suppose que je devrais commencer! C'est comme ça que tu procèdes? Je préfère utiliser cette machine! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Regarde! Je vais mettre le papier dedans! Ensuite, je tourne la poignée! Le papier va être déchiqueté! C'est tellement simple et rapide! Waouh, c'est incroyable! J'aimerais avoir une déchiqueteuse.
Je sais, j'ai ma propre déchiqueteuse. Elle fait tout aussi bien le boulot. Ça fait du bien. Tout est fait. Oh, mais ça a laissé le désordre sur mon bureau. Il y a encore une montagne de papier. C'est très intéressant. Waouh, quelqu'un a laissé un soda. Et il en reste dans la canette. Est-ce que je rêve? Je vais me régaler. Oh oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, c'est très drôle. Waouh, ça fait beaucoup d'encas. Je peux pas les manger en tenant mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone ici. Allez, t'as besoin d'aide? C'est bon, je me débrouille. Tu es sûr? C'est difficile de te regarder faire. Je sais comment aider. Je vais faire un creux dans la canette. Essaye ça. Wow, incroyable! C'est parfait! T'es un génie! Tu veux des chips? On fait une fête chez moi ce soir. Ça va être trop cool! Oh! Salut les filles! Bouge, espèce de nulle! Oh! Elles n'ont pas dû me voir! Où sont mes lunettes? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est quoi cette lumière? C'est à toi! Attends! Tu peux éloigner ça de moi? Oh, comment j'ai pu toucher ce truc? Je dois me désinfecter. C'est mieux. Hé, hey, les copains! Ellie, faisons une photo. Souris! Oh, vous êtes les meilleurs! Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est un hélicoptère? Mais qui c'est? Merci pour le petit tour. J'aime faire une entrée sensationnelle. C'est dur d'être si riche. Ce cours est ennuyant. Votre attention, s'il vous plaît. Interro de maths. Je ne compte que mon argent, rien d'autre. Non, merci, je suis occupée. J'espère la réussir. J'ai révisé toute la nuit. Je ne veux rien entendre. Voici vos copies. C'est parti! J'ai quelqu'un qui fait ce genre de choses pour moi. Oh, génial! C'est tellement beau! Oh, on dirait que j'ai réussi! Merci! Merci pour la nouvelle voiture! Je peux m'en aller? Ah, c'était dur, mais j'ai terminé! Fini! J'ai bien fait d'engager ce type! Et vous, l'enseignante, prenez ceci! Merci. Quelle perte de temps! C'est bon, j'ai corrigé vos copies. Je suis impressionnée, Essie. Oh, un A+! Merci! Quoi? Un C? Hé! Hey, je peux savoir pourquoi je te paye? Je ne sais pas quoi répondre. Oh, ça m'énerve! Allô, papa? Il me faut un nouveau nerd! Je vais ranger ça dans mon casier. Il me faudrait un vrai cadenas. Hein? Une pièce secrète? Je ne l'avais jamais vue avant. Je vais y jeter un coup d'œil. Waouh, c'est grand! Oh, comme ça a l'air confortable! Au moins, ça me fait un endroit où je peux réviser tranquille. Waouh, je ne savais pas ça! Je devrais venir ici plus souvent. Oh! Salut, Ellie! Oh, mais pourquoi? Comme si j'allais parler à Justine. Oh, je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Heureusement que j'ai un endroit rien que pour moi. Il faut une carte gold pour y entrer. Comme ça. Ah, mon havre de paix. Il est temps de se détendre. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est super réaliste. Ah, quelle journée! J'ai besoin de me détendre. Voici les dernières serrures sécurisées. On n'est jamais trop prudent. Oh, vous êtes là! Asseyez-vous! Je déteste quand les assistants me parlent. Je veux être chouchoutée. Ok, je vais juste vous appliquer un masque de beauté. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ce masque est fait d'or pur. Vous allez avoir une peau à 1 million de dollars. C'est drôle parce que c'est justement ce que ça coûte. Voilà. J'adore mon travail. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ah, ça,
C'est la vraie vie. Je ne sais pas quoi manger. Il y a trop de choix sur cette carte. Mais papa, je veux une licorne. Et par ici. Je vous emmène ça tout de suite. Il vaut mieux, oui. Et voilà. Bon appétit. Oh, pourquoi suis-je assise auprès d'elle? Oh non, pas ça. Serveuse. Merci. C'est pas assez cher. Oh, ça, c'est parfait. Votre plat, madame. J'ai des goûts de luxe. Délicieux. Ce n'est pas pour tout le monde. Quoi? Hé! Vous, revenez par ici. Votre argent, madame. Délicieux. Quoi? J'y crois pas. Oh, de l'or. Miam. Elles sont ridicules toutes les deux. J'ai tellement faim. Je dois manger quelque chose. Mais quoi? Il n'y a rien à manger. Oh, je sais. Un peu de maquillage et que la chasse commence. Ah ah! Bien juteux, ces verres. Ça sera comme des frites. Je t'ai eu. Et le dessert? J'adore les araignées. Quoi? Ah oui, je les avais oubliées ces deux-là. Je dois trouver un autre job. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai bien dormi. Il est temps de me préparer. D'eau? Et comment je vais me laver? Je peux au moins me brosser les dents. Pas besoin de brosse pour ça. Très cher mentholé. Ok. Ça fera l'affaire. Qu'est-ce que je vais mettre? Ok, c'est joli. Bon, ça ira. Non, non, ce yacht est trop petit. Allez, debout. Il va falloir se montrer créative. Waouh, je suis douée. Hé, debout. Youhou. Je sais, elle n'y résistera pas. De l'or? Quel rêve merveilleux! Excellent travail, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Bye. Oh, c'est déjà le matin. Où est mon téléphone pour le maquillage? Allô? J'ai besoin de vous. Que puis-je faire pour vous? Je dois être rayonnante. Maquillez-moi. Ce n'est pas un service gratuit. Très bien. Prenez ceci. Sérieux? Pas question. Je dois donc tout faire moi-même? C'est ennuyant. Bien, alors commençons. Et soyez attentifs. Notre première diplômée est Cheryl. Ah, mes fans adorés. Vous êtes diplômée uniquement parce que votre père nous a acheté une piscine. Félicitations. Pourquoi est-ce qu'il me touche? Burke! Je déteste ça. Je m'en vais. On applaudit Cheryl. Passons à Ellie. Assurez-vous que le photographe me prenne du bon côté. Voici votre diplôme. Ouais, j'ai réussi. Félicitations.
Selfie! Oh, je suis trop belle! Allez, descendez de la scène. Et pour finir, nous avons Essie. Je suis trop contente! Youhou! Voici votre papier. C'est tout? Je m'étais juré de ne pas pleurer. Viens par ici, toi. Allez, contrôle-toi, Kevin. Vous l'avez mérité, Essie. Waouh, une bourse! Wouh! Ouais, bravo, Essie! C'est le plus beau jour de ma vie! Hey, bonjour! C'est à moi que vous parlez? Bonjour, vous avez soif? Oh oui, merci. Oh, ce n'est pas ça que je pensais. Mais je suppose que ça reste de l'eau. Ça fait une douche gratuite. Oh là là, c'était hilarant. J'irai racheter une bouteille plus tard. Attention à la... Ah! Qu'est-ce que cette peau de banane fait là? Oh! C'est quoi tous ces déchets? Je suis pauvre! Laquelle? Je me demande quel goût a celle-là. Trop bon! Bien chocolaté! Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là! Pardon, je devais rêver. On dirait que tu pourrais avoir besoin de ça. Tiens! Merci! Oh, berk! C'est quoi? De la soupe? C'est brûlant! Je comprends pourquoi il n'est pas bon! Hé, hey, je sais! Tu as du soda chaud? Verse-le dans un verre et glisse un bâton de glace dedans. Une fois congelé, tu peux tirer sur le bâtonnet. Mais non! Maintenant, le soda est à nouveau froid! C'est beaucoup mieux qu'une boisson classique. Mes cheveux sont prêts pour l'école. Et maintenant, où sont mes livres? Ah ah! Il me faut beaucoup de choses en ce moment. Qu'est-ce que j'oublie? Où sont mes stylos? J'aurais juré en avoir laissé par ici. Oh non! Rends-moi ça, satané souris! J'en ai vraiment besoin, d'accord? Oh! Je n'arrive pas à y croire! Hé! Hey, une vieille boîte de chips! Je peux m'en sortir avec! Mets de la colle chaude le long des côtés, comme ça! Ensuite, fais des zigzags! Puis retourne la boîte et dépose de la colle sur le dessous. N'oublie pas d'en mettre au milieu. C'est bien de faire un schéma croisé. Voilà! Maintenant, retourne le tout et enlève la boîte. Colle bien le haut et le bas. Et ajoute une fermeture éclair. Quelqu'un a besoin d'une trousse? Wow! Je sais utiliser mes 10 doigts quand j'en ai besoin. Il ne faut pas que je sois en retard. Bien, alors à qui le tour? Bonjour! Vous pouvez sourire. Super, merci. Cheese! Oh! Vous êtes déjà allé chez le dentiste? Hein? Oh! Elles ne sont pas belles du tout, hein? Allez, sortez! Qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à ça? C'est trop gênant. Hé, j'ai une idée! Découpe un rectangle de papier sulfurisé et mets du dentifrice au milieu. Ça m'a l'air bien! Saupoudre le papier de bicarbonate de soude. Quand c'est bon, enroule-le autour de ton doigt. Là, c'est prêt! Il suffit de le coller sur tes dents. Et d'attendre.
Après 20 minutes, tu peux retirer le papier. Regarde-moi, ces dents blanches comme les stars. Bien joué. Faites-moi un grand sourire, d'accord? Attends, ce n'est pas... l'anniversaire d'Ava? Comment j'ai pu oublier? J'ai un cadeau qui traîne dans le coin. Oh, c'est sûr qu'il n'est pas là. Ça? Non. Un ballon de plage? Non. Du papier bulle? Mais oui. Ce truc a plein d'utilité. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec? Oh, oui. Découpe un petit carré et peins une bande tout en haut du papier. Essaie de la faire la plus droite possible. Ensuite, fais d'autres bandes de couleurs différentes. C'est pas trop cool? C'est Ava là-bas. Hé, hey, joyeux anniversaire! Je t'ai fait quelque chose de spécial. Oh, merci, c'est trop drôle. Ça va m'occuper pendant des heures. Je suis trop contente que ça te plaise. J'adore ma meilleure amie. C'est ma chanson préférée. On est bien au soleil, hein? Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est bien luxueux, ça. Il y en a une qui a envie de bijoux. Je reviens. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Vous avez de la chance, monsieur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais pas si je peux me le permettre. Ça? C'est encore plus cher! Et celle-là? Oh là là! Attendez! À l'aide! Qu'est-ce que je fais? Oui! Tu vois ce feutre? Utilise un stylo à colle pour dessiner un joli motif. Continue! Il faut que ça fasse bien tout le tour du stylo. Tu peux l'enlever quand la colle est sèche. Dis donc! Quoi? Choisis une main. Celle-là. Bon, celle-là. Ta-da! C'est pour moi? Elle est super originale! Une vraie bague! Et à moi en plus! Je n'ai plus besoin de ça maintenant! Je l'adore! C'est nul de devoir se faire les ongles soi-même. Mais je ne peux pas me payer une manucure. C'est quoi ça? 2 euros? Ça, c'est dans mes moyens. Bonjour, je peux vous aider? À vous de me dire. Quelle horreur! J'ai bien peur que ça vous coûte de l'argent. Vous voulez laquelle? Ces prix sont exorbitants! J'ai bien peur de n'avoir que ça. 2 euros, vous voyez? Oh là là! Je vais devoir faire des ongles au pistolet à colle. Je prends! D'abord, prends une feuille de papier sulfurisé. Fais un cercle de colle. Puis pose une autre feuille de papier dessus et appuie sur les deux à l'aide d'un fer à repasser. Quand c'est bon, enlève la deuxième feuille et trace le contour de ta main sur la colle. Il faut bien dessiner toute la main. Tu vois comment on obtient le contour des ongles? Maintenant, applique le vernis comme sur une main normale. Le rouge est un excellent choix. Ensuite, retire les ongles. Ils sont exactement à la bonne taille. Tu vois? Ils sont incroyables! Bien sûr qu'ils le sont! Un autre jour, un autre dollar. Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui en classe. Ne bougez pas. Vous savez qui je suis, non? Attendez que papa la prenne. Il ne sera pas content. D'accord. Thank you. Ah, ce n'est que de la petite monnaie. Je vais juste la laisser là. Ah, les enfants de riches. Cette agente de sécurité est effrayante. Elle me rend si nerveuse. Ok, c'est parti. Je suis capable de m'en sortir. Il faut juste agir de manière naturelle. Ne bougez plus. Est-ce que cette chose est sûre? Je savais que c'est ce qui allait arriver.
Non, vous ne pouvez pas entrer. Sortez d'ici, vous êtes pauvre. Oh. Vous n'avez pas besoin d'être si méchante, hein. Qu'est-ce que... Oh! Aïe, ça fait vraiment mal. Sur quoi j'ai atterri? Hein? Ce sont des diamants? Waouh, ce sont des diamants. Vous avez remarqué quelque chose de différent chez moi? Peut-être un peu de brillance? Alors je peux entrer maintenant? Je laisse le scanner décider. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Hein? Il dit riche? Je ne comprends pas. Mais le scanner ne ment pas, alors vous pouvez y aller. Vraiment? Je veux dire, évidemment. Je ferai mieux de me préparer pour le cours. J'ai besoin de mes livres. Je me demande ce que nous allons apprendre aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Je suis content d'être à l'heure. Le jet a dû s'arrêter pour faire le plein. Est-ce qu'on peut en finir avec ça? J'ai des réservations pour le dîner. Waouh, quel beau cahier! Je sais, il est assez spécial. Mais attends de voir celui-là. Non, c'est pas possible! Jette un coup d'œil à mon téléphone. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je veux le toucher. Oh non, tu ne feras pas ça. Plutôt cool, hein? Je me sens d'humeur cupcake. Je vais l'ajouter sur mon cahier. Il a l'air incroyable. C'est normal d'être jalouse. Mon cahier est si ennuyeux. J'ai jamais pu avoir de belles choses. Oh, la vie est tellement injuste. Attendez une seconde. Je sais ce que je dois faire. Je commence par découper ces images. Ça me donne faim. Ok, c'est la dernière. Mais il y a encore du travail à faire. Je savais que j'aurais dû suivre la recette. Je me rapproche. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste besoin de trouver la bonne chose. Ah ah, c'est ce que je cherche. Non, pas le croissant. J'ai besoin de ce papier sulfurisé. Je dois rester calme et agir doucement. Je ne peux pas le laisser me voir. C'est le crime parfait. Un peu plus loin. J'ai découpé le papier sulfurisé en carrés. Maintenant, je place les dessins dessus. Ensuite, je les recouvre de rubans adhésifs. Je veux que la surface soit lisse. Je ne veux pas avoir de plis. Maintenant, je vais les découper. Je vais prendre mon temps. Je dois suivre les grandes lignes externes. Ça a l'air bien. Je peux maintenant décoller le papier sulfurisé. Et coller le dessin sur mon cahier. C'est beau! Je ferai de même avec le reste. Waouh! Mon cahier est déjà bien plus beau. Il ne faut pas oublier la pizza. Hé, Alex! Jette un coup d'œil à ça. Quoi? Les couleurs, les images! C'est génial, j'adore! J'espérais que tu dises ça. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Bonjour, je vais prendre un bol de ça. Ah. J'ai été à l'école de cuisine pour ça. Je sais même pas ce que c'est. Je l'appelle de la verdure. Voilà. C'est un peu gluant. Oh, attends. Prenez votre temps. Dégage de ma louche. À quoi sert le bol? C'est bon. Bon appétit. Regarde ça. De la nourriture gratuite. Il n'est pas question que je mange ça. Je vais commander. Ça a l'air bon. Les grumeaux lui donnent une saveur supplémentaire. Miam, j'ai hâte de goûter. C'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce qu'elle peut manger ça? Majordome? Ah, là, ça va mieux. Merci, majordome. Je préfère les choses les plus raffinées de la vie. Et il n'y a rien de mieux que des sushis frais. Ça a l'air délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Attendez, quel est ce bourdonnement? C'est une mouche! Et c'est sur mes sushis! Qu'est-ce que je dois faire? Mon plat est fichu! Je vais vomir! C'est pas grave, c'est qu'une mouche! Hé, hey Alex, je peux avoir ça? Je t'en prie! J'espère que tu te sentiras mieux! Va-t'en, la mouche! Des sushis, c'est si bon! J'arrive pas à croire qu'il m'oblige à m'asseoir par terre. C'est tellement difficile de faire mon travail. Hein? Il pleut de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils m'ont donné un diamant, un seul, tu te rends compte? Le cours est sur le point de commencer. Oh, juste à temps. Oh, je dois y aller. On en reparlera plus tard. Et où vas-tu? Attends ici. C'est quoi le problème? Laisse-moi te regarder. J'ai pas le temps pour ça. C'est ce que je pensais. Tu ne portes pas de chemise. On verra bien. Hey! Papa, envoie l'hélicoptère maintenant. Oh!
Qu'est-ce qui se passe? C'est le ravissement! Il faut se sauver! Oh, une livraison spéciale juste pour moi! Merci les gars! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Mettons ça! Ça devrait suffire! Je vais le mettre sous le pull! Il faut être beau! Ha, je le suis toujours! On y va! Maintenant, je peux aller en classe? Attends... Ah, c'est beaucoup mieux. Tu remplis les conditions requises. Désolée pour la gêne occasionnée. Ah, merci. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux peut-être cacher mon t-shirt? Arrête-toi là. J'ai besoin de voir ta tenue. Cesse de bouger. J'aime bien ce jeu. Arrête. Ça suffit. Tadam! Belle tentative. Mais je veux juste aller en classe. Attendez, j'ai une idée. Je coupe une longueur de papier comme celle-là. Ensuite, je l'enroule autour de mon cou. Elle fera un joli col. Essayons. Waouh, je suis impressionnée. C'est un très beau col. Tu peux entrer. Merci. Regarde ça, Alex. Plutôt élégant, hein? Je préfère la soie italienne au papier. Mais j'établis mes propres règles. Je ne porte pas de col. Ce truc doit être jeté à la poubelle. Sérieusement? Je ferais mieux d'aller chercher du papier pour le cours. Oh, j'avais oublié. Je suppose que je vais devoir utiliser ça. À la mode et pratique. Je parie que ta chemise ne peut pas faire ça. Oh, c'est dur. Il y a tant à apprendre. Tu parles. Je comprends rien à tout ça. Rien ne fait sens. J'ai des notes partout. Je dois mieux organiser ça. Je suppose que je devrais commencer. C'est comme ça que tu procèdes? Je préfère utiliser cette machine. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Regarde, je vais mettre le papier dedans. Ensuite, je tourne la poignée. Le papier va être déchiqueté. C'est tellement simple et rapide. Waouh, c'est incroyable! J'aimerais avoir une déchiqueteuse. Je sais, j'ai ma propre déchiqueteuse. Elle fait tout aussi bien le boulot. Ça fait du bien! Tout est fait! Oh, mais ça a laissé le désordre sur mon bureau! Il y a encore une montagne de papier! C'est très intéressant! Waouh! Quelqu'un a laissé un soda! Et il en reste dans la canette! Est-ce que je rêve? Je vais me régaler! Oh oui! C'est exactement ce qu'il me faut! Ah! C'est très drôle! Waouh! Ça fait beaucoup d'encas! Je peux pas les manger en tenant mon téléphone! Je vais mettre mon téléphone ici. Allez! T'as besoin d'aide? C'est bon, je me débrouille. Tu es sûr? C'est difficile de te regarder faire. Je sais comment aider. Je vais faire un creux dans la canette. Essaye ça. Wow! Incroyable! C'est parfait! T'es un génie! Tu veux des chips? C'est l'heure du goûter! Oh! Burke, pourquoi est-ce que je suis obligée de m'asseoir à côté de toi? Waouh! Ouais, je sais, c'est génial! Et t'as encore rien vu? Je mets mon doigt dans la fente. J'appuie sur ce petit bouton et hop! J'ai de magnifiques ongles! C'est joli, hein? Waouh! Incroyable! T'es tellement stylée! Ouais, je sais. Maintenant, je vais faire les autres. Hé, je pourrais me faire les ongles moi aussi. Il me faut juste de la pâte à modeler. Je la pétris, puis j'en fais une boule. Et ensuite, je vais lui donner forme. Je vais la faire un peu cubique. Maintenant, je prends de la pâte à modeler grise. Je la roule en boudin. Voilà, ça devrait aller. Et je la mets autour du morceau bleu. J'appuie pour les faire coller. Et maintenant, je vais faire un visage. C'est super mignon. Je vais faire d'autres petites têtes. Ce sont tous mes personnages préférés. Même pas besoin d'aller au salon. Regardez ça! Ah ouais? Bah t'as pas vu les miennes? Waouh! Comment t'as fait? Il faut que j'ajoute une touche de couleur à mon pinceau. Oh! Non, ça va pas du tout! Aïe! Ça fait mal! Oups! Désolée! Attends, j'ai peut-être quelque chose pour me faire pardonner. Je sais que tu aimes les chiens. Waf waf! Waouh! Vous avez vu ça? Il est trop mignon! Dis, je peux l'avoir, s'il te plaît? Quoi? Non! Je voulais juste te le montrer, pas touche! C'est trop nul! J'ai jamais de jouets cool, moi, puisque c'est comme ça. Je vais m'en fabriquer un. J'ai découpé des bandes de papier coloré et je vais les plier l'une sur l'autre
Je continue jusqu'à avoir plusieurs couches et j'alterne les couleurs. Ça me détend. C'est comme de l'origami. J'ai presque fini. J'ai plus que quelques plis à faire. Et voilà. Waouh, regardez. Ça a l'air marrant. Mais bon, moi j'ai plein de petits chiens. T'as vu? Moi j'adore les animaux. Tu vas voir. Je prends un bout de papier en forme de chat. Et je lui dessine une tête. Il lui faut des moustaches. Oh, comme il est mignon! À présent, je le colle au Scooby-Doo en papier. Et voilà, un jouet anti-stress fait main. Ils sont trop marrants! Waouh, comment t'as fait? Ah, doucement! J'ai un chat de garde et il n'est pas commode. Amène-toi! Ça va être ta fête! Même pas en rêve. Prends ça! Calmez-vous, les enfants! Mais qu'est-ce que... C'est une salle d'art plastique ou un refuge pour animaux, ici? Oups, cache-les! Ça suffit. C'est elle qui a commencé. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je préfère ça. Oh, regardez ça. C'est adorable. Oh, du calme, Médor. Regarde, tu vois, c'est un ami. Mais non! Qu'est-ce qu'il fait? Remettez-vous au travail. C'est pas juste. C'est une super journée. Oh, salut, Miles. S'il vous plaît, approchez. Hein? Il m'a peut-être pas vu. Oh, j'ai sommeil. Je crois que je vais faire une sieste. Ah, vous voilà enfin. Votre petit déjeuner, monsieur. Voici pour vous les cornflakes les plus croustillantes qui soient. Je suis certain que vous les apprécierez. Et du lait frais, bien sûr. Bon appétit, monsieur. Oh, c'est une plaisanterie, j'imagine. Et vous prétendez me connaître? Pas question que j'avale ça. Bien entendu, monsieur. Hein? C'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient? Bon, et ben voilà, je suis réveillée maintenant. Qu'est-ce qu'il se trame là-bas? Je crois que j'ai la solution. Que direz-vous de manger des bonbons? Hein? Hein? Ce sont des oursons. J'adore les bonbons. D'accord, servez-les-moi. Excellent choix, monsieur. Ça ajoutera une touche de couleur à vos céréales. C'est comme ça que je les préfère. Maintenant, laissez-moi. C'est quand même plus appétissant. J'ai hâte de goûter. Miam, c'est trop bon. Mais j'ai plus faim. Je peux plus rien avaler. Oh, mon popite. Il y a quelque chose de bizarre. Bah, je m'ennuie. Je vais en changer. Oh, celui-là est mieux. Mais il n'est pas aussi amusant que ce que je croyais. Venez ici, je vous prie. Voilà, monsieur. Oh, c'est pas mal, ça. C'est justement ce qu'il me faut. Je salue votre excellente initiative. Il me faut de la monnaie. C'est parti. J'insère la pièce ici. Ensuite, j'appuie sur le bouton et un bonbon sort de la machine. Waouh, c'est trop cool. Que fait donc cette roturière? Ah, elle est vide. La vie est trop injuste. Il y a plein de bonbons. Tout ça rien que pour moi. C'est délicieux. Oh, ça a l'air bon. Ça me donne une idée. J'ai peint la boîte de céréales en rose. Maintenant, je trace un rectangle à l'intérieur. Il vaut mieux utiliser une règle pour ça. Ensuite, je vais le découper. Maintenant, je pose un rouleau de papier toilette sur la boîte. Je trace le contour au stylo. Je le maintiens bien pour éviter qu'il glisse. Je vais le mettre de côté pour plus tard. Je découpe également le cercle. Après ça, je reprends mon rouleau de papier toilette. Dessus, j'ai tracé un petit rectangle. Je le découpe en suivant les traits. Parfait! Maintenant, je vais le placer dans la boîte. Je dois m'assurer que c'est bien la partie découpée du rouleau qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, je retourne la boîte. J'ai découpé un rabat à l'arrière. Après ça, je vais tracer un rectangle en bas à gauche, à l'avant de la boîte. C'est pas la peine de le faire trop gros. Je le découpe aussi. Je plie un morceau de carton et j'applique de la colle dessus. Je vais le coller en biais à l'intérieur de la boîte, sous le rouleau. Ensuite, je prends de petits morceaux de carton que je colle de chaque côté du rouleau. Il faut également qu'il soit en biais. J'ai construit un petit récipient en carton que je vais placer dans l'espace en bas à gauche. Je couvre le grand trou rectangulaire de plastique transparent. Et maintenant, je vais la décorer. Waouh, c'est super joli! Je crois que j'ai terminé. C'est exactement ce que je voulais. Je l'adore! Et si je tourne la molette, de super trucs devraient en tomber. Hein? Où est-ce qu'elle a eu ça? Je le veux! Apportez-le-moi! Qu'est-ce que vous attendez? Je peux vous aider? Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai le choix, au moins? Bonjour! Salut, toi! Charmant! Je ne le préfère pas. Bon, d'accord. Je voulais te dire que je te trouve mignon.
Je sais. Qu'est-ce que tu as là? Oh, ça, c'est mon distributeur de figurines anti-stress. Waouh, elle est superbe. Regarde ça, c'est mon distributeur de bonbons. Si tu appuies là, il y a des bonbons qui sortent. C'est chouette, hein? Ouais, moi, il n'y a rien dans mon distributeur. C'est un peu le seul souci, tu vois? Ouais, je comprends, c'est frustrant. Mais je peux arranger ça. S'il vous plaît? Waouh, des figurines anti-stress! Merci, je vais les prendre. J'adore ces petits machins. Moi aussi. On pourrait les mettre dans le distributeur de jouets anti-stress. Et hop! Bonne idée! Je peux? Je t'en prie, vas-y. Et voilà, vas-y, mets-les toutes! C'était la dernière. Maintenant, on peut faire tourner la molette. Je vais la tourner et hop! Un jouet anti-stress en sort. Waouh, c'est génial! Il est super ton distributeur. Je passe une super journée. Et je sais ce qui pourrait la rendre encore meilleure. Qu'est-ce que tu fais? Appelez la sécurité, s'il vous plaît! Fausse alerte, mais restez sur vos gardes. Il faut absolument que je batte le record. J'y suis presque. Hé, regarde où tu vas! C'est ta faute. Ah, encore une journée magnifique. Oh non! Des jeunes voyous! On ne se bagarre pas à l'école. Arrêtez ça. Fichez le camp. Je ne veux plus voir ça, c'est compris? J'ai rien fait du tout. Oh, génial, encore toi. Je m'en fiche, pas question que tu me gâches ma journée. Waouh, des bonbons! Oh, c'est vide. Quel dommage. J'aurais dû m'en douter. Miam! 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les hanches. Mais bon, ça en vaut la peine. Qu'est-ce que tu regardes? Tout ce que je voulais, c'était un truc à grignoter. Eh bien, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, incroyable! Je sais, c'est tout doux et tout mou. Waouh, t'as vu ça? Attention! Ce sandwich a l'air délicieux. Rien pourrait venir gâcher ce moment. Hein? D'où est-ce que ça vient, ce truc? C'était moins une. Où est-ce que j'en étais? Oh! Il m'est tombé dessus! Burk! C'est moi qui ai fait ça? Waouh, c'est énorme! On dirait une crotte de nez géante. Par contre, je peux pas le poser par terre. Une seconde! J'ai une idée! Ma coque de téléphone est assez basique, alors je vais la personnaliser un peu. Je découpe la tige d'un ballon. J'ai seulement besoin de la partie ronde. Ça sera parfait. Maintenant, je prends le slime. Oh, c'est agréable! Je vais le pétrir un peu. Et le mettre en boule. Maintenant, je le mets dans le ballon. Et une fois que c'est fait, je le ferme en tournant. Je ne veux pas que le slime en sorte. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, je prends mon pistolet à colle. Je vais en mettre un peu sur la coque. Il est très important d'utiliser de la colle blanche. Je dessine une forme au hasard et je recouvre une bonne partie de la coque. Là, c'est pas mal. Puis, je la remplis avec de la colle. Là, c'est la partie facile. Il suffit de ne pas dépasser. Je ne veux pas qu'il reste d'espace. Avant que la colle sèche, j'appuie le ballon dessus. Et voilà, maintenant j'ai une coque super marrante. C'est très agréable. Waouh, c'est toi qui as fait ça? Viens, approche. J'y crois pas, c'est vrai? Je suis tellement contente que tu me le proposes. Tu veux des bonbons ou des chips? Je vais prendre les chips. Ça me semble équitable. Waouh, c'est génial. Ouais, ouais, je vais manger des chips. C'est le paradis. C'est celle que je préfère en plus. Je pourrais en manger toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir jusqu'à quel point je peux appuyer dessus. Non! Fais pas ça! Oups, j'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du slime! Désolée, mais c'est pas moi. C'est Miles, une chips? Bah, pourquoi pas. J'aime bien ça. Vous n'êtes peut-être pas des petits voyous, finalement. C'est pour vous. Oh, quand papa m'a dit qu'il allait m'acheter une voiture, j'imaginais quelque chose de plus gros. Mais bon, c'est marrant. Vroom, vroom! Quelle belle journée! Tiens, ici, c'est sympa. C'est l'endroit idéal pour admirer la nature. Ah, ça fait du bien de sortir la tête du travail. Oh, génial! Piou, piou! Oh, waouh! Vous avez vu cette voiture? Hé, reviens là! Oh, regardez ça! Une pyramide de gobelets! Ce serait vraiment dommage que quelqu'un la casse. Mission acceptée. Wouhou! Vous avez vu ça? Aïe! Ma tête! Je déteste les déchets qui traînent. Attendez, je pourrais peut-être m'en servir. Allez, au travail! Place à la créativité.
C'est le moment que je préfère. Je commence par dessiner deux yeux sur le gobelet. En voilà déjà un. Plus qu'un second. Bien, ensuite, je vais dessiner un nez. Ça va être super mignon. Et après ça, une bouche. Ce gobelet a l'air très heureux. Je lui fais également deux joues roses. Et je fais les moustaches au feutre. Une fois que c'est fait, je le mets de côté. Je découpe deux oreilles de lapin dans du papier. Je les colle sur le gobelet. Mais je n'ai pas encore terminé. Je mets de la colle sur un bouchon de bouteille, puis j'en colle un autre par-dessus. Ensuite, je prends un élastique. Je le mets par-dessus les bouchons, comme ça. Je vais le faire tenir avec du scotch. J'ai pas envie qu'il s'en aille. Ça a l'air assez solide. Ensuite, je vais faire deux entailles sur le côté de la tasse et pareil de l'autre côté. Deux petites entailles suffisent. Ensuite, je roule les languettes. Puis, je prends les bouchons. Je passe l'élastique dans les entailles. Et je m'assure que les bouchons soient sous le gobelet. Maintenant, je vais enrouler l'élastique des bouchons. J'ai envie que ce soit bien enroulé. C'est prêt! J'ai fabriqué un second gobelet lapin. Waouh! Regardez-moi ça! Une seconde, ce sont des lapins? Oh mon Dieu, ils sont trop choux! Cette voiture est trop démodée! Oh, salut! Ça va? Je peux voir tes lapins? Oh, c'est juste des gobelets! Il manque un peu de paillettes! Attends, j'ai une idée! Quoi? C'est de la poussière d'or? Mon lapin a l'air trop nul à côté! Allez, dis-moi comment tu as fait! C'est pas important! Tu veux faire la course? Prêt? Partez! Vas-y, petit lapin! Oh, t'as vu ça? J'ai gagné! Non, c'est pas possible! Attends une seconde! Stop! C'est le plus beau jour de ma vie! J'arrive pas à croire que j'ai réussi à avoir la voiture! C'est génial! Elle est magnifique! J'ai jamais été aussi heureux de ma vie! Reste calme et fiche le camp! Rien de bon là-dedans? Gagné! Elle est fraîche! Maman va bien manger ce soir! Une petite pièce? Que dirais-tu d'une pomme? À plus tard! Quelle âme généreuse! Ce cupcake à 10 dollars est divin! Ne me colle pas ta puanteur! Tu as faim, hein? Tiens! Je t'ai eu! Comme si j'allais le gaspiller avec toi! Raté! Oh, la vie de la rue! C'est ça! Il est temps de donner une leçon à cette fille! Que les riches soient pauvres et que les pauvres ne le soient plus! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le pire jour de ma vie! Parle pour toi! Mon travail est terminé! Au revoir! Je m'ennuie à mourir! J'aurais bien besoin d'un goûter! Majordome? Bonjour! J'ai dit bonjour! Je suppose que je suis toute seule! Attends! C'est un frigo, ça? Ma chance est en train de tourner! Toc, toc! Je ne peux pas manger ce truc! Tu as bien pu remettre ça là-dedans! C'est pratiquement pourri! Je pourrais mâcher là-dedans! Oh, je dois être en train de perdre la tête! Oh. Ok! Où elle est passée? Ah! Une souris! Et elle a volé ma poubelle! Heureusement que j'en ai plein! Oh! S'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger! Je vais mourir là-dedans! Ouais, il n'y a rien ici! Peut-être que si je souhaite vraiment fort... Ha! Toujours rien! Je voulais juste vérifier. Je n'ai pas d'autre choix. En général, je mets ça dans les hot dogs. Mais aujourd'hui, c'est une boisson. Une boisson très chaude. Non, ne l'ouvre pas. Il y a quelque chose à manger là-dedans? Tu es tout à moi! Ouais! Gars! Qu'est-ce qui se passe ici?
Ça n'arrête pas de sonner. Oh mon Dieu! Ah! Qui est là? Tout ça pour moi? Je vais grave m'habituer à ça. J'adore les pommes. Est-ce que j'ai l'air bien? Mes pieds auraient certainement besoin d'aide. Il y a d'autres chaussettes par ici? J'ai entendu que tu avais besoin de chaussures. Prends-les! Merci, mec des poubelles. Rien de plus propre là-dedans. La souris! Je suppose que c'est mieux que rien. Elles sont tellement sales. C'est comme si c'était collé dessus. La vie à la dure, ce n'est pas pour moi. Ce truc peut tout simplement me changer la vie. Le dissolvant pour vernis à ongles peut enlever les taches. En verser un peu sur un coton de maquillage. Ensuite, il faut frotter sur la surface sale. Continue, tu y es presque. Tu vois, comme neuf. Hé, super mignon. Ta-da! Gah! Ça te dérange de m'aider avec ça? Tu es tout seul! Oh! J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière! Non! S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas du caca! Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Hé! Comme si les choses ne pouvaient pas être pires! Cela ne peut pas être hygiénique! Il y a quelque chose de bien ici? Je vois un petit snack! Cet oiseau me gâche la vie! Je vais devoir me venger alors! Des ailes de poulet, en route! C'est déjà le matin? La lumière brille vraiment ici! Oh! C'est mon petit déjeuner? Merci, j'ai vraiment faim! Oh, tu aimes les serviettes de table? Ok, si c'est ce que tu veux. Mais essayons de cette façon. Ça, c'était gênant. Merci. Ça a l'air délicieux. C'est si doux. Ta fourchette? Hein? Oh, on dirait que ça t'a plu. Quand tu dois manger, tu dois manger. Heureusement, mes ongles sont impeccables. Excusez-moi, j'essaie de balayer ici. Oh, vraiment? On est trop bien pour bouger, hein? Ok, bien, je vais bouger. Je vais juste prendre un snack pendant que j'attends. Miam! Délicieux! Très bien, j'ai presque fini. Je n'en ai plus besoin. Viens le chercher! Jamais personne ne m'écoute. Tout est impeccable. Waouh! Je tombe! Ouf! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vois des étoiles. Oups! Désolée! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolée. Ah oui! Ces enfants sont tellement gâtés. Nous pouvons y mettre un terme. Tu as oublié une partie. Ouais, c'est ça. C'est le pire jour de ma vie. J'ai déjà toutes ces tenues. C'est déjà l'heure du goûter? C'est le troisième aujourd'hui? Regarde tous ces biscuits. Un peu de saleté ne m'a jamais fait de mal. Kate! Non! Tu vaux tellement mieux que ça! Ne t'avise pas de toucher à ce biscuit! En sécurité! Tu vas bien? Tu n'avais pas besoin de faire tout ça? Hé, détends-toi! Tu as eu une grosse journée! Tu vois, tout va bien! Non, s'il te plaît, j'insiste. Voilà, maintenant tu peux le faire descendre avec ça.
Quand tu es heureuse, je suis heureuse. On fait une fête chez moi ce soir. Ça va être trop cool. Oh! Salut les filles! Bouge, espèce de nulle! Oh! Elles n'ont pas dû me voir! Où sont mes lunettes? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est quoi cette lumière? C'est à toi? Attends! Oh, tu peux éloigner ça de moi? Oh! Comment j'ai pu toucher ce truc? Je dois me désinfecter! C'est mieux! Hé, hey, les copains! Ellie, faisons une photo! Souris! Oh, vous êtes les meilleurs! Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est un hélicoptère? Mais qui c'est? Merci pour le petit tour. J'aime faire une entrée sensationnelle. C'est dur d'être si riche. Ce cours est ennuyant. Votre attention, s'il vous plaît. Interro de maths. Je ne compte que mon argent, rien d'autre. Non, merci. Je suis occupée. J'espère la réussir. J'ai révisé toute la nuit. Je ne veux rien entendre. Voici vos copies. C'est parti! J'ai quelqu'un qui fait ce genre de choses pour moi. Oh, génial! C'est tellement beau! Oh, on dirait que j'ai réussi. Merci. Merci pour la nouvelle voiture. Je peux m'en aller? C'était dur, mais j'ai terminé. Fini. J'ai bien fait d'engager ce type. Et vous, l'enseignante, prenez ceci. Merci. Quelle perte de temps. C'est bon, j'ai corrigé vos copies. Je suis impressionnée, Essie. Oh, un A+. Merci. Quoi? Un C? Je peux savoir pourquoi je te paye? Je ne sais pas quoi répondre. Oh, ça m'énerve. Allô, papa? Il me faut un nouveau nerd. Je vais ranger ça dans mon casier. Il me faudrait un vrai cadenas. Hein? Une pièce secrète? Je ne l'avais jamais vue avant. Je vais y jeter un coup d'œil. Waouh, c'est grand. Oh, comme ça a l'air confortable. Au moins, ça me fait un endroit où je peux réviser tranquille. Waouh, je ne savais pas ça. Je devrais venir ici plus souvent. Oh, salut Ellie. Oh, mais pourquoi? Comme si j'allais parler à Justin. Oh, je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Heureusement que j'ai un endroit rien que pour moi. Il faut une carte gold pour y entrer. Comme ça. Ah, mon havre de paix. Il est temps de se détendre. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est super réaliste. Ah, quelle journée! J'ai besoin de me détendre. Voici les dernières serrures sécurisées. On n'est jamais trop prudent. Oh, vous êtes là! Asseyez-vous. Je déteste quand les assistants me parlent. Je veux être chouchoutée. Ok, je vais juste vous appliquer un masque de beauté. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ce masque est fait d'or pur. Vous allez avoir une peau à 1 million de dollars. C'est drôle parce que c'est justement ce que ça coûte. Voilà. J'adore mon travail. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ah, ça, c'est la vraie vie. Je ne sais pas quoi manger. Il y a trop de choix sur cette carte. Mais papa, je veux une licorne. Hé, par ici. Je vous emmène ça tout de suite. Il vaut mieux, oui. Et voilà. Bon appétit. Oh, pourquoi suis-je assise auprès d'elle? Oh non, pas ça. Serveuse. Merci. C'est pas assez cher. Ça, c'est parfait. Votre plat, madame. J'ai des goûts de luxe. Délicieux.
Ce n'est pas pour tout le monde. Quoi? Hé! Vous, revenez par ici. Votre argent, madame. Délicieux. Quoi? J'y crois pas. Oh, de l'or. Miam. Elles sont ridicules toutes les deux. J'ai tellement faim. Je dois manger quelque chose. Mais quoi? Il n'y a rien à manger. Oh, je sais. Un peu de maquillage et que la chasse commence. Ah ah! Bien juteux, ces verres. Ça sera comme des frites. Je t'ai eu. Et le dessert? J'adore les araignées. Quoi? Ah oui, je les avais oubliées ces deux-là. Je dois trouver un autre job. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai bien dormi. Il est temps de me préparer. Pas d'eau? Et comment je vais me laver? Je peux au moins me brosser les dents. Pas besoin de brosse pour ça. Fraîcheur mentholée. Ok. Ça fera l'affaire. Qu'est-ce que je vais mettre? Ok, c'est joli. Bon, ça ira. Non, non, ce yacht est trop petit. Allez, debout. Il va falloir se montrer créative. Waouh, je suis douée. Hé, debout. Youhou. Je sais, elle n'y résistera pas. De l'or? Quel rêve merveilleux! Excellent travail, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Bye. Oh, c'est déjà le matin. Où est mon téléphone pour le maquillage? Allô? J'ai besoin de vous. Que puis-je faire pour vous? Je dois être rayonnante. Maquillez-moi. Ce n'est pas un service gratuit. Très bien. Prenez ceci. Sérieux? Pas question. Je dois donc tout faire moi-même? C'est ennuyant. Bien, alors commençons. Et soyez attentifs. Notre première diplômée est Cheryl. Ah, mes fans adorés. Vous êtes diplômée uniquement parce que votre père nous a acheté une piscine. Félicitations. Pourquoi est-ce qu'il me touche? Burke! Je déteste ça. Je m'en vais. On applaudit Cheryl. Passons à Ellie. Assurez-vous que le photographe me prenne du bon côté. Voici votre diplôme. Ouais, j'ai réussi. Félicitations. Selfie! Oh, je suis trop belle. Allez, descendez de la scène. Et pour finir, nous avons Essie. Je suis trop contente. Youhou! Voici votre papier. C'est tout? Je m'étais juré de ne pas pleurer. Viens par ici, toi. Allez, contrôle-toi, Kevin. Vous l'avez mérité, Essie. Waouh! Une bourse! Youhou! Ouais! Bravo, Essie! C'est le plus beau jour de ma vie! Hey! Bonjour! C'est
C'est à moi que vous parlez? Bonjour, vous avez soif? Oh oui, merci. Oh, ce n'est pas ça que je pensais. Mais je suppose que ça reste de l'eau. Ça fait une douche gratuite. Oh là là, c'était hilarant. J'irai racheter une bouteille plus tard. Attention à la... Ah! Qu'est-ce que cette peau de banane fait là? Oh! C'est quoi tous ces déchets? Je suis pauvre! Laquelle? Je me demande quel goût a celle-là. Trop bon! Bien chocolaté! Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là! Pardon, je devais rêver. On dirait que tu pourrais avoir besoin de ça. Tiens! Merci! Oh, berk! C'est quoi? De la soupe? C'est brûlant! Je comprends pourquoi il n'est pas bon. Hé, hey, je sais! Tu as du soda chaud? Verse-le dans un verre et glisse un bâton de glace dedans. Une fois congelé, tu peux tirer sur le bâtonnet. Mais non! Maintenant, le soda est à nouveau froid! C'est beaucoup mieux qu'une boisson classique. Mes cheveux sont prêts pour l'école. Et maintenant, où sont mes livres? Aha! Il me faut beaucoup de choses en ce moment. Qu'est-ce que j'oublie? Où sont mes stylos? J'aurais juré en avoir laissé par ici. Oh non! Rends-moi ça, satané souris! J'en ai vraiment besoin, d'accord? Oh! Je n'arrive pas à y croire! Hé! Hey, une vieille boîte de chips! Je peux m'en sortir avec! Mets de la colle chaude le long des côtés, comme ça! Ensuite, fais des zigzags! Puis retourne la boîte et dépose de la colle sur le dessous. N'oublie pas d'en mettre au milieu. C'est bien de faire un schéma croisé. Voilà! Maintenant, retourne le tout et enlève la boîte. Colle bien le haut et le bas. Et ajoute une fermeture éclair. Quelqu'un a besoin d'une trousse? Wow! Je sais utiliser mes 10 doigts quand j'en ai besoin. Il ne faut pas que je sois en retard. Bien, alors à qui le tour? Bonjour! Vous pouvez sourire. Super, merci. Cheese! Oh! Vous êtes déjà allé chez le dentiste? Hein? Oh! Elles ne sont pas belles du tout, hein? Allez, sortez! Qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à ça? C'est trop gênant. Hé, j'ai une idée! Découpe un rectangle de papier sulfurisé et mets du dentifrice au milieu. Ça m'a l'air bien! Saupoudre le papier de bicarbonate de soude. Quand c'est bon, enroule-le autour de ton doigt. Là, c'est prêt! Il suffit de le coller sur tes dents. Et d'attendre. Après 20 minutes, tu peux retirer le papier. Regarde-moi ces dents blanches comme les stars! Bien joué! Faites-moi un grand sourire, d'accord? Attends, ce n'est pas... l'anniversaire d'Ava? Comment j'ai pu oublier? J'ai un cadeau qui traîne dans le coin. Oh, c'est sûr qu'il n'est pas là! Ça? Non! Un ballon de plage? Non! Du papier bulle? Mais oui! Ce truc a plein d'utilité! Alors, qu'est-ce que je peux faire avec? Oh, oui! Découpe un petit carré et peins une bande tout en haut du papier. Essaie de la faire la plus droite possible. Ensuite, fais d'autres bandes de couleurs différentes.
C'est pas trop cool. C'est un bas là-bas. Hé, joyeux anniversaire. Je t'ai fait quelque chose de spécial. Oh, merci. C'est trop drôle. Ça va m'occuper pendant des heures. Je suis trop contente que ça te plaise. J'adore ma meilleure amie. C'est ma chanson préférée. On est bien au soleil, hein? Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est bien luxueux, ça. Il y en a une qui a envie de bijoux. Je reviens. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Vous avez de la chance, monsieur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais pas si je peux me le permettre. Ça? C'est encore plus cher! Et celle-là? Oh là là! Attendez! À l'aide! Qu'est-ce que je fais? Oui! Tu vois ce feutre? Utilise un stylo à colle pour dessiner un joli motif. Continue! Il faut que ça fasse bien tout le tour du stylo. Tu peux l'enlever quand la colle est sèche. Dis donc! Quoi? Choisis une main. Celle-là. Bon, celle-là. Ta-da! C'est pour moi? Elle est super originale! Une vraie bague! Et à moi en plus! Je n'ai plus besoin de ça maintenant. Je l'adore! C'est nul de devoir se faire les ongles soi-même. Mais je ne peux pas me payer une manucure. C'est quoi ça? 2 euros? Ça, c'est dans mes moyens. Bonjour, je peux vous aider? À vous de me dire. Quelle horreur! J'ai bien peur que ça vous coûte de l'argent. Vous voulez laquelle? Ces prix sont exorbitants! J'ai bien peur de n'avoir que ça. 2 euros, vous voyez? Oh là là! Je vais devoir faire des ongles au pistolet à colle. Je prends! D'abord, prends une feuille de papier sulfurisé. Fais un cercle de colle. Puis pose une autre feuille de papier dessus et appuie sur les deux à l'aide d'un fer à repasser. Quand c'est bon, enlève la deuxième feuille et trace le contour de ta main sur la colle. Il faut bien dessiner toute la main. Tu vois comment on obtient le contour des ongles? Maintenant, applique le vernis comme sur une main normale. Le rouge est un excellent choix. Ensuite, retire les ongles. Ils sont exactement à la bonne taille. Tu vois? Ils sont incroyables! Bien sûr qu'ils le sont. Je veux que cette affaire soit conclue aujourd'hui. Hé, hey, coucou toi! Papa est venu te chercher, mon adorable petite princesse. Bonjour. La pauvreté, ça me déprime. Oh, viens voir maman, mon petit ange. Comment tu vas? Oh, mon doux bébé. Ne pleure pas, maman est là. Ça va aller, tu vas voir. Alors, nous avons 2 bébés. L'un est riche, l'autre est pauvre. Voyons ce qu'ils vont devenir. Encore quelques années. Et voilà, c'est parfait. Je me demande bien ce qu'ils sont devenus. Oh, je sais ce qu'on va faire. Et si on les envoyait à l'école? Ça semble être une excellente école. Tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser. Oh, voilà un numéro de chambre particulièrement accueillant. Je t'en prie, Lizzie. Apparemment, c'est la chambre qui nous a été attribuée. Tu plaisantes? C'est pas possible! Regarde tout ce bazar! En vérité, je pense que c'est pire que ça. Il y a tout à refaire ici. Non, mais c'est une blague! Il est hors de question que je vive ici. Ça va aller. Hein? Comment il peut dire ça? Oh, c'est sûrement parce qu'il est pauvre. Regarde, il y a un balai. On n'a qu'à passer un petit coup. Tu verras, ça sera parfait. L'étoile d'araignée, c'est super facile à retirer. Il y a pas mal de déchets et de trucs qui traînent, mais il suffit de les ramasser. On va aussi retirer ces journaux du mur. Ça vaut mieux. C'est déjà mieux, tu ne trouves pas? Et hop, à la poubelle. Qu'est-ce que cette corde fiche ici? Parfait. Maintenant, il est temps de faire mon lit. Ah, ça, c'est ce que j'appelle du confort. Hé, hey, Lizzie, tu peux venir avec moi si tu veux. Il reste de la place. Non, merci. Comme si j'allais me salir les mains. Allô? Oui, vous pourriez m'envoyer quelqu'un? Merci.
Bonjour madame, je suis l'agent d'entretien que vous avez appelé. Oh, une seconde s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il ressemble à Liam? Très bien, je voudrais que vous nettoyiez cette partie de la pièce. Pas de souci, je m'occupe de tout. Oh, s'il croit m'impressionner, c'est raté. Mais bon, tant qu'il fait son travail, tout ira bien. Il faut que je porte cette poubelle très lourde pour aller la vider. Excusez-moi, madame, mais j'ai terminé de tout nettoyer. Oh, c'est vrai. Les sous. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens demandent sans arrêt de l'argent. Mais bon, c'est pas grave. Tenez, pour votre travail. Quoi? Encore plus? Bon, très bien. Prenez ça. Cette fois, ça devrait aller, je pense. La vraie, mais je vais devoir vous demander de sortir. J'ai un autre appel à passer. Oui, mettez-le là, s'il vous plaît. Comme ça. C'est parfait. Vous pouvez disposer. Oh, ça y est, tu as terminé d'aménager ton côté. C'est sympa. Mes cheveux sont vraiment splendides sous cette lumière. Madame, rond ou carré? C'est bon, assez de pédicure pour aujourd'hui. Vous pouvez arrêter. Allez, il est temps que j'aille me préparer. Oh non! Au secours! Oh non, je sens que c'est la fin! Mon si joli pied! Non! Je crois que je vais mourir. C'en est fini pour moi. Je ne peux plus supporter cette souffrance. Docteur, je vous en supplie, faites quelque chose. Je souffre atrocement. Vous vous êtes cogné l'orteil, c'est bien ça. Faites quelque chose, j'ai mal. Bien sûr, ne bougez pas. Je vais examiner ça de plus près. Ça devrait aider. Et maintenant, je vais mettre un joli pansement. Oh, misère! Je ne peux pas voir ça. Ça va mieux? Non! Bon, très bien. Tenez, mangez ça. Il faut que vous repreniez des forces. Waouh! Tout ce que j'aime. Parfait. Laissez-moi vous rafraîchir un peu pendant que vous mangez. Oh, j'ai trop froid. J'ai l'impression que je ne vais jamais me réchauffer. Oh, pas étonnant avec autant de fièvre. Il faut que je trouve quelque chose qui m'aiderait à me sentir mieux. Oh, et si j'allais à la pharmacie? Avec des médicaments, je serais vite guérie. Je n'aurai jamais assez. Les médicaments coûtent trop cher. Peut-être que maman aura une solution. Coucou maman! Oh! Comment est-ce que tu as fait pour arriver si vite? Mon chéri, je devine toujours quand tu es malade. Tiens, regarde, je t'ai apporté tout ce qu'il faut. On va te requinquer en un rien de temps. Commençons par faire un peu de thé. Voilà, c'est prêt. Bois ça, tu te sentiras mieux. Écoute mon chéri, je sais bien que tu n'aimes pas le thé, mais je t'assure que celui-ci te fera le plus grand bien. Oh! Mais maman, ce thé va m'achever bien avant que la fièvre ne le fasse. On va y ajouter quelques plantes. Oh! Je me sens déjà plus en forme. Tiens mon chéri, t'es sûr que ça ne risque pas de le rendre encore plus immonde? C'est très bien. Continue de boire mon poussin. Oh, j'oubliais. Je t'ai préparé une soupe maison. Oh non maman, tu sais que je déteste la soupe au pois. Ce que tu dis est absurde. Ouvre grand. Allez mon grand, c'est pour ton bien. C'est bien, c'est le gentil bébé à sa maman. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, c'est vrai, une pomme. Attends, je vais la nettoyer un peu. Oh, mon doux bébé s'est endormi. Je vais lui remonter sa petite couverture pour qu'il n'ait pas froid en dormant. Elle y a cru. Ouf, je crois que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts pour votre évaluation d'art plastique. Vous pouvez commencer, j'ai hâte de voir tout ce que vous avez appris. Qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai dans mon sac? Mince, tout ce que j'ai, c'est ce mini crayon bleu. En plus, il n'est même pas taillé. Oh, c'est incroyable tout ce qu'elle a, Lizzie. Toutes ces couleurs et tous ces supports différents. Enfin, bref, je crois que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Oh, une petite seconde. J'ai peut-être un peu d'argent de côté. Mince, c'est vrai, je suis pauvre. Il y a sûrement quelques trucs dans la poubelle. On est en art plastique, après tout. Voyons voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein, Liam? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, génial, un bâton de glace. Je suis sûre que ça pourra m'être utile. Je vais emprunter les moules en silicone de la classe. Je verse un peu d'eau à l'intérieur, puis j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Je remue légèrement pour que ce soit homogène. Très bien, maintenant je vais faire la même chose avec d'autres couleurs. Ensuite, je place un bâton de glace dans chacun des moules. Il faut que je fasse en sorte qu'ils tiennent droit. Ensuite, je les mets au congélo. C'est parfait. Maintenant que tout est glacé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Cette fois, il est temps de tester mes nouveaux crayons. J'espère que ça va marcher. Waouh, les couleurs sont incroyables. Regarde ça, ça va être super. En plus, c'est super pratique en cas de petite fringale. Miam, c'est vrai. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt malin de sa part. Je n'ai aucune inspiration, c'est terrible. Oh mais j'ai de l'argent! Avec ça, je peux avoir ce que je veux. Cette petite somme devrait suffire, je pense. Bonjour, besoin d'un petit coup de pinceau? Pas encore. Commencez par faire un tableau.
Je vois, je vais réaliser pour vous un véritable chef-d'œuvre. C'est tellement ennuyeux, les cours d'art plastique. Vous avez demandé une œuvre d'art, la voilà. La voilà. Hein? C'est quoi ça? Burk, c'est affreux, ôtez ça de ma vue. Vous n'aimez pas mon style? Pouah, vous n'avez aucun goût. Oh, je ne supporte pas les artistes. Salut. Bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à me dessiner quelque chose. D'accord, ma maîtresse, elle dit que je suis le plus fort en dessin. J'aime bien dessiner avec des craies. Le dessin, c'est ce que je préfère à l'école. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est? Une maison et des nuages? Sérieusement? Désolée, mais ça ne va pas le faire. Mais... Oh non, ne pleure pas, c'est juste que... Oh non, je t'en prie. Oh, il faut que je trouve quelque chose. Oh, regarde, une sucette. Hein? C'est quoi? Une sucette? Quoi? Psst, par ici. Ah, je vois, forcément. Tiens, prends ça. Maintenant, file d'ici, dépêche-toi. Suivant. Oula, c'est quoi cette odeur? Laissez-moi vous montrer mon talent, madame. Voilà. Waouh, c'est incroyable. Je l'adore. Tenez, voilà pour vous. Oh, génial. Merci beaucoup, madame. Ce tableau est magnifique. Hey, Liam, regarde mon super tableau. Hein, quoi? Ouais, ouais. Il est super. Moi, je fais de l'art avec des Esquimaux. Hé? Tu pourrais faire un peu plus attention à moi plutôt qu'à ces fichus Esquimaux. Oh, une soirée privée dans une villa et avec Millie Bobby Brown en plus. Ah, oh là là, il faut que je trouve quelque chose à me mettre. Voyons voir. Oh oui, cette robe sera parfaite. J'ai l'air tellement sexy dans cette robe. Peut-être pas du coup. Je vais essayer autre chose. Pourquoi pas cette jolie petite robe rose bonbon? Non, le rose s'est dépassé. Je vais essayer autre chose. C'est pas mal, confortable, mignon. En plus, j'adore ces baskets dorées. Non, il me faut quelque chose d'un peu plus élégant. Cette jolie petite robe rouge est absolument parfaite. Oh! Ah, j'ai une idée. Je vais passer un coup de fil rapidement. Puisque je ne trouve rien qui me plaise dans ma garde-robe, je n'ai qu'à acheter une nouvelle robe. Non. Oh, un sweat à capuche original pour seulement 5 000 $. Je dis oh que oui. Oh, le voilà, je suis trop contente. Il est grand temps d'ouvrir cette boîte. Oh là là, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais l'essayer. Waouh, c'est pile poil la bonne taille. Et ce legging va parfaitement bien avec. Plus que ma petite touche perso et je suis prête pour la soirée. Attention, j'arrive. Waouh, je n'en reviens pas d'avoir reçu ça. C'est une invitation pour une soirée à 1 $. Je ne peux pas y aller habillée comme ça. Mon t-shirt est plein de trous. Oh, je ne peux pas mettre mon plus beau t-shirt non plus. Il est plein de trous lui aussi. Je vais voir ce qu'il y a dans le carton que papa m'a donné. Je trouverai peut-être quelque chose de sympa à me mettre. Waouh, génial! Un jean presque neuf, il n'est même pas troué. Je me demande ce qu'il y a d'autre. Burk, c'est un caleçon ou je rêve? Trop dégueu! Oh waouh, ce sweatshirt jaune est superbe. Je vais l'essayer pour voir. C'est pas mal. Oh non, il est trop grand. Il m'arrive presque au genou. Je ne peux pas mettre ça. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Hé, attends, je pourrais peut-être utiliser l'élastique de serrage du caleçon. Il a l'air en bon état. Je crois que j'ai une idée. J'ai entièrement retiré l'élastique du caleçon. Maintenant, je vais le passer autour de ma taille et le nouer bien serré, comme ça. Ensuite, je passe le nœud derrière et je remonte légèrement le pull. Enfin, je vais cacher ce qui dépasse du pull sous l'élastique et voilà! Cette fois, je crois que je suis prêt! Je déteste l'école, ces gamins sont les pires! Allez! Pas si vite! Annie, reviens! Oh, c'est tellement chaud! Je vais jeter un coup d'œil dans le couloir. Oh, vous êtes là! Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne m'y attendais pas! Je dois le dire à Miles. Oh, tellement rafraîchissant. Miles, donne-moi ce gobelet. Hé, hey, c'est à moi. Je sais quoi faire. Je vais le retourner. Ensuite, je vais y faire un trou. Maintenant, j'ai besoin d'une ficelle. Je vais pousser la ficelle à travers le trou. Ensuite, je vais faire un nœud à une extrémité pour pas que ça tombe. Il doit être plus grand que le trou. Ça ira. Je vais faire de même avec un deuxième gobelet. Regarde ce que j'ai. Tiens, prends ça. Je ne peux pas boire avec ça. Ce n'est pas pour boire. Regarde. Je vais le tenir contre la porte. Oh, je comprends. Est-ce que c'est un casque? Youpi! La la la! On ne danse pas dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends parler. Attends! Maintenant!
C'est notre chance. Allons-y. Arrête avec ces mouvements si charmants. Vous êtes là depuis longtemps? Va en classe. Vous n'êtes pas drôle. Oh, j'adore cette chanson. Je veux dire, les enfants d'aujourd'hui, où sont-ils passés? Non, ils sont partis. Comment ça a pu arriver? Ah! Avouons-le, l'école peut être ennuyeuse. Tout le monde veut en sortir dès que possible. Quelle a été votre partie préférée de cette vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.